Salut à tous et à toutes, bienvenue donc pour un nouvel épisode de Axand qui s'éclate sur Arc Survival. Il est 19h10, nous sommes le lundi 7 mars 2022. Alexa, tu mets une alarme dans 18 minutes. 18 minutes à partir de maintenant. Et c'est parti, Axand. Alors attends, on prend outils, vêtements, on s'habille. Allez, c'est parti. Outils, vêtements. Et on s'habille. Alors, on va s'habiller maintenant. Alors toi, tu es en cuir. Je te prends les flèches, ça, je crois que c'est tout, hein. T'es habillé, t'as tes machins, t'as pas les gourdes. Allez, hop, une gourde. Ok, oh, t'as une paire de palmes, toi, hein. Mais, attends, on va prendre ça, voilà. Ok, on vérifie la mangeoire, allez, on va voir la mangeoire. Oh, tine neuf, est-ce qu'on le prend vite? Sinon, tu me dis, ramasse tous les neufs comme. Enfin, les tiens, hein, déjà. Les sauvages, faut que tu me le dises. On prend l'œuf, tu m'étonnes. Voilà. T'as vu ta mangeoire? On fait deux bolas. Allez, hop, on va refaire deux bolas. Voilà ta mangeoire, hein, ok? Voilà. Donc, on va refaire deux bolas. C'est là que ça se passe, je pense. Du bois, schéma. Bola, bola, bola. C'est ici. Ah non, il faut pas de bois, tiens. Évidemment. Du branchage, de la fibre. Pierre et silex, je crois. Peau, pierre. Ah d'accord. Pierre. Peau, peau, peau. Il n'y en a pas ici. Pierre, peau. Pot et de la pierre, c'est bon. Deux bolas. Une. Et deux. On remet ça là-dedans. Une. Et deux. Ok. Ok. Ça, c'est bon. Alors, attends. On prend œuf, ok. On met dans l'armoire de conservation. Ok, ça marche. On met le neuf dans l'armoire de conservation. Voilà. Oh, ben, ça t'en fait deux. On remet de la poudre d'étincelle dans l'armoire de conservation. Ok. Est-ce que tu en as? Tu en as. Je te mets un slot. Hein. Voilà. C'est du tout bon. Ok. On prend viande séchée. On prend viande séchée. Voilà. 49, pas mal. Hein. T'es pas mal. 49 viande séchée. Un petit coup à boire. Allez, hop, voilà ce qu'il nous faut. Allez, on y va. Deux, par hasard, toujours au même endroit. À moins qu'il y en a là-bas. Il n'y en a pas là-bas. Je ne sais pas s'il va en rester. Si ça a repopé. C'est bon, Bob. Ah, il y en a un là déjà. Qu'on met dans mangeoire et feu. Ok, ça marche. Tu veux pas un fiomia, ça ira plus vite. Il y a un ankylosaure là, tiens. Ah bah c'est le tien. C'est ton ankylosaure de la dernière fois. C'est un gros celui-là. Ouais, un niveau 110. Donc c'est pour faire de la viande. Salut Raptor, comment vas-tu? Bien? Si tu as tes titres après, ça serait génial. Et on tame un Fiomia? D'accord, ok. On tame le Fiomia. Je l'endors avec quoi? Avec les points. Tu me dis...
Ah, c'est le chouchou, d'accord. Parce que je vois, j'ai deux messages. Ok, ça marche, Raptor. J'ai pas été voir mes chouchous, je m'en suis rendu compte il y a 10 minutes à peu près. Donc tu as un Fionia de niveau 15 et un Fionia de niveau 60. Lequel qu'on fait? 15 ou 60, tout ça t'est égal. Le 15, bah, c'est mieux. C'est sûr que c'est mieux. Tu as raison. Voilà, je prends ça. Bon, une ou deux flèches, ça devrait faire l'affaire, je pense. 3. Ah ouais, quand même. 4. Ah, 4 flèches. Ensuite, ça va être plus rapide. Oui, tout à fait. Ouais, 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 le 15, c'est mieux. Flèche narco, c'est bon. Ok. Alors, je fais quoi? Parce que j'ai ta viande, il y a un drop, tu m'as pas dit d'aller... Enfin, tu m'as dit d'aller faire cuire la viande, donc je sais pas, dans la mangeoire, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Là, on va chercher baies pour lui donner. On va chercher des baies pour lui donner. On va les chercher, on va les chercher. Je vais au plus près, hein, tu m'as pas précisé. Donc, voilà, je récolte. Hein. On est bien d'accord. Ok. Et on va voir drop. Alors, je mets les baies dans le Fiomia et on va chercher drop. Ok. À moins que tu veux qu'on y aille maintenant, vite. Ouais, ça va vite à l'endormir. Ouais, 4 flèches et c'était bon, Raptor. Maintenant le drop. Maintenant le drop. Ok. Bon, je pense que ça va être rapide à faire. Hein, ça va, c'était à niveau 50. On prend tout comme d'hab. Donc tu as un schéma de cadre de dinoporte en bois. C'est pas terrible. Hein. Voilà. Donc j'ai tout pris. Hein, comme vous êtes tous les trois à me dire tu prends tout. Hein, on est bien d'accord? Alors je vais mettre les baies dans le Fiomia. Oui, pour toi, Bobob, ok. Allez, on lui donne à manger. Donc, je lui mets les béjots. 24 méjots. On va chercher la selle. Hein? On va chercher la selle de l'ankylo. Ok. Donc, je lui ai mis des méjots. Ouais, il est pratiquement fait, ton Fiomia. Hein, je mets toutes les baies, oh, si tu veux. Il n'y a pas de problème, on lui met toutes les bêtes. Ouais, avant je lui mette, il va être fait ton truc. Là, 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 voilà. Ok. Ok, on va chercher la selle de l'ankylosaure. Et on met viande dans mangeoire et 17 dans feu. Ok, ça roule. 40 mangeoires et 17 feux. Hein. Ok. Alors, je prends ça, je mets ça. Il n'y a pas de bois. Je regarde si tu as du bois ou du branchage. Tu as 61 branchages. Je le mets dans le feu. Là, voilà. Hop. Et on allume. Voilà, ça c'est bon. On prend œuf en kilo. T'as vu un œuf, toi? Oh purée, fallait le voir. Hein. Eh, c'est une bonne pondeuse, là, l'ankylosaure, là, dis donc. Génial. Hein. Mister Root, ça va? Bien, bien, bien. On prend l'œuf de l'ankylo. Tu m'avais dit quoi encore? Prendre la selle de l'ankylo, c'est ça. Hein, on prend la selle et on va chercher l'autre. Et le Fiomia, d'accord. Alors, la selle, est-ce que tu en as fait une? Parce que là, tu peux en faire une. Ça baigne, super. Bon, bah, nickel. On va chercher sa selle. C'est-à-dire, j'en fais une ou je prends celle de l'ankylo qui est dehors? Bon bah je prends celle-là, hein, parce que... Qui est sur la... D'accord, ok, ça marche. Hop. Il aura trois niveaux à mettre.
Ok. Donc ton Fiomia, il est fait, ça y est. On lui met la selle. Voilà. On mettra ces niveaux en poids. En poids. Voilà, c'est fait. On fait suivre Fiomia. Ok. C'est-il là? Voilà. Et on met Anki et Fiomia en passif. D'accord. Je vais le faire tout de suite si j'oublie. C'est fait. On rentre maison avec les dinos. Ok, ça marche. On y va. Il suit le mégot là. Ouais, il suit. Ok. Bon bah deux petits animaux là, tranquillou, tranquille. Puis on fait tour de l'île avec pour œuf et trilo. Je prends tous les œufs. Petit niveau, je pense que c'est pour un à pied. D'accord, ok, à pied. Est-ce que je prends tous les œufs? Si tu en trouves à Baobab, est-ce que je les prends aussi? Tous les animaux, soyez précis. Hein. Bah oui, c'est ça, c'est pour ça que je demande, Raptor. Hein. Tout à l'heure, Baobab m'a dit tu prends tous les œufs. Je t'ai dit t'es sûr, parce que si je prends le bronto, il risque de lui péter sa baraque. Hein. Tous les œufs, allez, tous les œufs. Tous les œufs et les trilos. C'est parti, hop, je prépare donc la lance et on y va. Tous les œufs, je prends. Tiens, v'là un. Steg. Voilà, t'as déjà un œuf de steg là, bien, nickel. Tous les œufs ou pas, on verra. Ah non, non, bah non, tu me dis là. Sinon, je m'arrête à chaque deux fois devant l'œuf et j'attends ta réponse, Axan. Ah bah non, c'est toi qui joues, c'est pas moi. Hein. Donc, je regarde s'il n'y a pas un peu de trilo. On s'arrête devant l'œuf. D'accord, ok. On s'arrête devant l'œuf et tu me dis oui ou non. Ok. Et ouais, si tu me dis tous les œufs, moi je vous prends tout. Et s'il y a un bronto qui vient chez toi, t'es mal. Hein. En plus, tes animaux, ils sont passifs, ils se font charquer. Hein. Bon, ça, je préfère demander. Parce que vous pouvez tout perdre en 5 minutes, hein, je vous le dis. Hein. Est-ce que je vais là-dedans ou pas? Dire bonjour à ta copine, la Plantix, non? Je sais pas s'il y a encore d'ailleurs. Ah, je crois que j'ai vu un trilo. C'en est un ça? Ouais, bien. Ah, tu donnes des coups de 72 DPS quand même, Axan, non? Eh oh, c'est un gros celui-là. Voilà, 65. Pétrole, viande, chitine, perle, bien. Impeccable, hein. Non, on va pas, on n'y va pas. Ok, ça marche. Je veux pas dire bonjour à la Plantix. Bon, ok. Bon, bah t'as eu un trilo déjà, hein, c'est pas mal. Ça, c'est tout ce qui reste de Paco et Tino, hein, le robinet. Et... Alors, on retourne là. Non, apparemment non. Comme ça, avec Chitine, on fera du ciment. Ok. Apparemment, le ciment est recherché. Hein.
Alors là, on a du para. Peut-être qu'on va trouver des neufs. Non. On va voir s'il n'y a pas d'œufs de dino à Baobab. Non. Ah, il y a un autre bronto là, dis donc. Là, il n'y a pas. Allez, on retourne par là. Toi aussi, Raptor, ouais, tout le monde a besoin de ciment là. Ah ouais. Bon, on retourne vers chez toi. Tu as faim, je te mange une viande séchée. Voilà. Voir le niveau du bronto. Ah, j'avais pas fait attention. Voyons voir. Le bronto. Bronto, bronto, donne-moi ton niveau. Niveau 130. Un bon niveau 130. Là, tu te prends des levels, là, si tu le pètes. Hein. Après, faut le péter. Hein. Non, pas sans, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Je te remange une viande cuite. Hein. Voilà. Crapaud pour le ciment. Ouais, il faut aller le tamer aussi, le crapaud papillon. Ouais, il faut aller vers le marais. Tout à fait. Une viande. Ouais, chaque fois que tu as faim, je mange une viande séchée. Et si tu as de la viande cuite normale, je vous en mange trois hein, à chaque fois. Hein. Ça, c'est prévu avec tous les trois. Si je suis à côté de l'eau, je te remplis la gourde, hein, ce que je vais faire maintenant. Et quand tu as soif, je bois. Hein. Voilà. Et quand tu n'as plus d'eau, je te dis t'as soif, qu'est-ce qu'on fait? Ok. Le bronto, je te dis, ouais, d'accord, ok. C'est bien. Le bronto, niveau 35 mâles. 35 mâles. Ah ouais, avec ton aigle, ouais, 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 tout à fait. Tu fais un petit piège, Raptor, tu l'emmènes. Et puis tu le tames. Hein. Non plus. D'accord, ok, ça marche, Alexandre. Ouais, c'est vrai que l'aigle, il prend la grenouille. Hein. Je te remange une viande. T'as souvent faim, là, dis donc. Et c'est bizarre. Hein. Ça ne nourrit pas autant que ça, alors. Une viande séchée. Hein. Bon, là, j'ai pas mal d'animaux, mais pas de neuf. C'est peut-être que des mâles. Hein. Si je trouve des œufs de Fiomia, est-ce que je les prends, Alexandre? Ah, un œuf. Est-ce que je le prends, oui ou non? Un œuf de steak. Alexa, stop. Non? Okay. Alexa, tu mets une alarme dans 2 minutes. 2 minutes à partir de maintenant. Ok. Ça, c'est clair. Ah, putain, t'en as 2 adultes. Hein. Ok, bon, je le prends pas. Hein. Tu m'as dit non. Hein. Non, sinon tu te feras par Monsieur Fiomia. Ouais, tout à fait, Bob. Avec les œufs de Fiomia, on fait quoi? Bon, on fait rien du tout parce que ça n'existe pas, Raptor. C'est de l'engrais, quoi. Ouais, c'est plus un œuf là. donc il n'y a rien, il n'y a même pas d'œuf de trissé. Raptor, c'était une petite gag. On rentre maison et on fait ciment. Allez, tu vas faire le portugais. Hein, on va aller chercher la bétonneuse. Alors, je regarde si t'as pas des neufs. Hein. Tiens, les, encore un. Les, regarde un peu. Les, ton ankylo, là. Bon, à chaque fois, vous avez des œufs, je vous les ramasse hein, quand c'est vos propres animaux. On est bien d'accord? Je remange une viande sèche. Papy perd la boule. C'était une petite boutade. Hop. On désactive suivi Fiomia. Ok, ça marche. Il est en suivi sur ton ankylo. Hein.
Autre option, activer le suivi. Autre option, désactiver le suivi. Voilà, normalement c'est bon. Hein. Bon, je croyais qu'il y avait encore un œuf, elle laisse tomber. Hein. On range œuf dans armoire. Ok, c'est bon. Donc, armoire de conservation, bien sûr. Ah, tu vois, Alexa, stop. Je commence aussi à prendre tes œufs de dos. Hein. Voilà. C'est une poule pondeuse, tu m'étonnes, papillon. Non, mais franchement, là, ça, elle a fait 3 œufs en deux épisodes. Hein. Incroyable. Donc, merci d'avoir suivi l'épisode d'Axand. Hein. Il se défend bien, là. Il a fait un petit fiomia et il a pas mal d'œufs, un petit trilobite, tranquille ou tranquille. Donc, ça sent les croquettes. Hein. Eh ouais. Allez, salut à tous et rendez-vous pour un prochain épisode. Ciao, bye bye.